C'est un exploit que vient de réaliser les éléments du poste de douane de Pitois, dans le département de la Benoué, région du Nord, que dirige Guy Renensem. Ces éléments ont intercepté ce 23 janvier 2022 un colis de 700 machettes venant de Guider, dans le Maoluti, région du Nord, et en partance pour Ngaoundéré, dans la région de la Damawa. Le fameux colis se trouvait dans un car de transport de marque Toyota IAS. Une vigilance accrue est observée ces derniers temps sur nos axes routiers, les crises sécuritaires récurrentes dans la région de l'extrême nord, la CAN Total Énergie 2021 doivent en effet constituer des éléments galvanisants. Et les éléments de l'adjudant principal des douanes Guy Renensem l'ont bien compris. Et avec les circonstances que nous vivons, l'insécurité dans l'extrême nord et l'afflux des étrangers compte tenu de la CAN, nous avons les instructions de la haute hiérarchie d'être très vigilants sur le flux des marchandises et le transport des biens et des personnes. C'est dans cette mission régalienne qui nous a amené de fouiller régulièrement, de manière spontanée, des bus et des cars en provenance de l'extrême nord et d'une partie de Guider. C'est dans ce cas-là que nous avons réalisé une interception d'une cargaison juste dans un contrôle de routine. Et dans une fouille, nous avons remarqué certains colis suspects. Et comme nous l'exige l'hiérarchie, avec des fouilles, nous avons tombé sur ce stock que vous avez pu voir et nous avons fait savoir à l'hiérarchie qui nous a donné immédiatement des instructions de les ramener de manière systématique au bureau. Un simple contrôle de routine, comme on en a l'habitude à Pitois, vient donc de sauver sans nul doute des vies. Un coup de filet qui restera à jamais gravé dans les archives de ce poste de douane. Parmi les missions de l'administration des douanes figure en bonne place la protection de notre territoire. Et c'est dans ce sillage-là que les éléments du poste de Pitois, dans leur mission de surveillance, viennent de mettre la main sur une importante cargaison en mouvement de l'extrême nord pour Garoua. Alors, il n'y avait aucune chance pour ces gens de traverser au niveau des Pitois. Et ces machettes nous sont l'objet actuellement d'un procès verbal et le haut commandement a été immédiatement saisi. Une enquête instruite par la hiérarchie de ce corps de l'administration camerounaise a été ouverte pour connaître la mission exacte du contenu du colis intercepté. Ceux qui l'attendaient en Ngaoundéré vont donc devoir attendre, mais alors pour longtemps, en tout cas tant que la douane camerounaise fera bien son travail.